je reçois la pianiste Hélène Tisman pour son magnifique disque Maurice Ravel, Des Antiques aux Démons, qui raconte et retrace tout un parcours dans l'œuvre de Maurice Ravel. J'avais envie de raconter une histoire parce que je trouve que Ravel raconte une histoire dans chacune de ses œuvres. Et j'avais envie d'en raconter aussi une en partant des Antiques aux Démons. J'ai assemblé ça et je me suis dit, mais c'est ça, ça, voilà, ça part des... Il y a toute une progression et c'est intéressant de suivre un compositeur depuis ses toutes premières œuvres. Ma joie la plus grande, c'est vraiment de travailler sur les couleurs. Je trouve ça magique à quel point chaque harmonie, ça veut dire l'assemblage de plusieurs notes qui crée réellement une couleur. Et il suffit de changer une note et la couleur est déjà différente. Car Ravel, c'est vraiment l'endroit pour travailler sur la couleur, enfin pour pouvoir imaginer toutes les couleurs possibles. Ce qui est intéressant, c'est de connaître Ravel, ce rapport au classique, c'est-à-dire l'amour vraiment intense et la grande inspiration de Ravel envers les classiques, à quel point il aimait les architectures classiques, il avait un respect immense et puis antique, d'où le menuet antique, le menuet sur Haydn. Et puis de voir la progression lente et de voir qu'il y a aussi le Ravel sombre, le Ravel sans doute préoccupé mais en couche interne par ce qui se passait en Europe ou simplement de questions existentielles. Alors Echnoz, c'est vrai qu'il a parlé des 10 dernières années de Ravel, mais c'est, pour moi, c'est, ça correspond à tout Ravel, en fait, c'est l'essence, parce que finalement, pourquoi il a choisi les 10 dernières années, je pense, parce que c'était vraiment le parfum, l'essence pure de Ravel. Le roman commence en 1927, et c'est presque à peu près à la création de la valse de Ravel, donc la fin de mon programme, mais en fait, ça retrace tout le personnage, et c'est ça qui m'intéressait.